Et salut à tous les amis, c'est Redbullish HD et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve pour le troisième épisode de ma carrière avec les Spurs de Tottenham. Alors je vous explique un petit problème que j'ai eu. Alors tout simplement, on s'était arrêté là. Voilà. J'avais fait ces deux matchs là tout seul. Donc vous voyez que j'ai fait une victoire, ma première victoire de la saison face au Queen's Park Rangers, but de Gareth Bale. Ensuite j'ai pris une grosse branlée 6-0 avec l'équipe B qui a pas du tout réussi à gérer face à Aston Villa. Et donc ensuite on a enchaîné en vidéo, donc j'avais fait une vidéo avec Manchester United, j'ai perdu 3-0. Voilà. Et après j'avais perdu à la 90 dans le temps additionnel face à Chelsea 2-1 dans les dernières secondes de jeu. Voilà. Et donc j'ai fait une victoire 4-1 face à Southampton. Et j'ai perdu 2-0 face à Arsenal. Alors je vous explique, j'avais filmé donc Manchester United et Chelsea, les deux matchs, dans la même vidéo. Sauf qu'en fait mon frappe ça a eu un problème, c'est à dire qu'en fait le son n'a pas été enregistré. Enfin en fait le son est complètement bouffé. Il y a eu un gros bug avec frappe, donc du coup il y a eu... Enfin je sais pas, ça fait un gros grésillement en fait sur tout le long de la vidéo, donc je pouvais pas mettre ça sur YouTube, donc du coup j'ai décidé de passer une vidéo, c'est pas grave. Tant pis, hein, on n'est pas une vidéo près. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est faire le match contre Wigan et Manchester City, voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir réagir face à cette équipe, donc vous allez voir que j'ai fait quelques petits changements au niveau de l'équipe. D'ailleurs je vous pose une... D'accord, bon je suis en bleu, tant pis. Ah oui oui, parce que j'ai désactivé ouais, un autre contrôleur juste avant. Vous allez voir le petit changement que j'ai fait. Donc là pour l'instant, donc là, donc je change juste ça en fait. Et vous allez voir Stéphane Bauken, il s'est relancé complètement. Avec son 80 de vitesse, franchement il assure. Il m'a mis un doublé lors du dernier match gagné contre Southampton. Il m'a mis un doublé. Un but de la tête et un contre-pied, une frappe croisée magnifique. Et donc on va garder cette équipe-là. Ah non, 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 on va pas garder cette équipe-là parce qu'elle est fatiguée. Donc en fait, oui, non, on fait un changement. Cudicini donc va être dans les buts. Et donc on va faire jouer l'équipe B. Enfin, l'équipe B, pas tout à fait. Je vais essayer de remasteriser un peu. Donc Dawson va jouer. Quoique Colker, c'est Colker qui est, oui voilà, titulaire, c'est Colker. Il va falloir que j'aille faire quelques changements aussi. Gallas donc titulaire et Smith à droite. Une défense qui tient pas mal le coup à part Gallas qui a du mal. Mais bon, on peut pas faire autrement. Ensuite on va mettre donc Jenas, Sigurdsson et on va faire jouer Marcos Asuncao sur ce match. Mais il y aura Tom Carroll sur le banc, vous inquiétez pas. Et quoique j'ai envie d'essayer un truc. On va faire une chose. Regardez. On va passer en 3-5-2. On va passer en 3-5-2. Et on va essayer de faire ce match en 3-5-2. Donc avec Udici dans les buts. Gallas donc avec Dawson. Donc on va mettre le plus rapide au milieu. Donc 73 et 63. On va faire comme ça. Quoique non, peut-être plus sur les ailes, voilà, on va faire comme ça. Asue Koto donc ne jouera pas ce match. On va mettre en milieu central donc Asuncao et Tom Carroll. Si... Ouais non, il est fatigué. Il est fatigué, donc on va mettre... Est-ce que... Je suis en train de réfléchir en fait là. Tom Carroll est fatigué, Jenas donc lui peut jouer. Je suis en train de penser, on n'a même pas besoin de... Oui, parce qu'on va mettre, voilà, Asuncao. Donc au pire, on fera entrer Yolston. Donc Tom Carroll va jouer, ne jouera pas ce match, mais il sera sur le banc, je pense. Dempsey, non. Par contre, je veux bien Townsend. Je vais mettre Bentley. Bentley à droite. On va mettre Sigurdsson en milieu offensif central. Et il va jouer qu'une mi-temps.
Il va jouer qu'une mi-temps, ou plutôt l'inverse, ouais, voilà. Mason titulaire. Donc Bauken ne jouera pas ce match. On va mettre Adebayor. Adebayor et Lancaster. Voilà. On va jouer comme ça. Et donc sur le banc, je veux Dolston, Gareth Bale, ok, Cabellos. Je vais mettre Bauken sur le banc. Sigurdsson sera sur le banc aussi. On va enlever Dolston. Que non, on va enlever Dolston. Voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et Tom Caron donc ne jouera pas. Lui qui a déjà joué le match d'avant. Et donc, est-ce qu'on met Kudicini ou Friedel? On va mettre Friedel. On va voir ce qu'il va donner. Et Kudicini donc sera sur le banc. Kabul, Vertonghen, Walker, Parker, machin. Donc, ok. Donc voilà, on a un 3-5-2. On va tester un 3-5-2 avec Brad Friedel dans les buts. Une défense centrale, donc à trois défenseurs avec Dawson, Gallas, Colker. Les deux sentinelles seront Marcos Assuncao et c'est Jermaine Jenas. À droite, on aura David Bentley. À gauche, Andros Townsend. Ryan Mason sera qui a fait un très très bon match en coupe. Va jouer donc en milieu offensif central. Et Adebayor avec Lancaster seront donc en pointe. Pas beaucoup de vitesse, mais bon, on va essayer de déborder sur les ailes, tout ça. Voilà, donc on va essayer avec ce dispositif-là. On va voir si ça change quelque chose ou pas du tout. Voilà. Et donc ensuite, si ça passe, je pense qu'on mettra deux dispositifs en place avec l'équipe A et l'équipe B. Parce que l'équipe B, je crois, joue mieux avec ce dispositif-là. Allez, attention, Lancaster. Oh, j'arrive à la mettre, mais pas dans la cible. Et voilà, ça c'est fait. Ah mince, j'ai touché. Voilà. Voilà, j'ai essayé de toucher là et bon, si j'y arrive pas, bah tant pis. Ouh, dommage, c'est rentré mais... Hop, c'est touché. Allez, j'ai 3 essais pour une cible. Ok. Et c'est bon. C'est passé. Nickel. J'ai le truc argent, parfait. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir commencer le match et espérons qu'on va réussir à faire quelque chose dans ce match. Donc c'est Wigan, ils sont 19e. Si on gagne, on va s'éloigner un petit peu plus de la zone rouge parce qu'on est 18e actuellement. Non, on est 17e. Et donc là, l'objectif, ça va être de remonter. Et Oula, ça va être de remonter et d'accrocher au moins l'Europa League. Déjà de remonter au-dessus de la 10ème place. Après la Coupe d'Europe, on va essayer de l'avoir par la FA Cup. Mais on verra, hein, on garantit rien. Donc le championnat anglais est vraiment très relevé, hein, même les petites équipes peuvent faire mal. Donc même un club de championship peut faire mal. On va se mettre en défensif quand on en aura l'occasion, pardon. Bon, attention, bien défendu, ça revient. Ok, c'est fait. Bentley. Donc voilà, je vais mettre en... Je vais faire une passe au gardien, à Brad Friedel. Contre-attaque, pressing. Et donc en défensif. Là, je me suis mis en... Voilà, là c'est bon. Ah, j'ai pas réussi à... Koné qui a l'air pas si mauvais, hein. Il a pas l'air mauvais. Ouf, bien taclé. Très très bien taclé. Allez, Lancaster. Ok, Lancaster qui a oublié la balle. Ok, c'est reparti, Townsend. Et j'ai pas réussi à faire ma passe. J'ai pas réussi à faire ma passe. Et là, attention, ça va partir. Avec Bentley. Et non. Ça va pas, ça passe pas. On va essayer donc de récupérer la balle. Ça va partir, allez, avec Miyachi. Miyachi qui jouait à... Et qui joue toujours, il me semble, à Arsenal. Qui a été transféré virtuellement. Oula. Allez, on met le pressing. Townsend.
Townsend. J'essaie de la mettre par-dessus, c'est fait. Oula. C'est bon, Adebayor. Ouf, grosse parade du gardien. Désolé, j'ai eu un gros lag. La frappe et encore la parade. Encore la parade du gardien, je sais pas qui c'est. Allez, Bentley. Le corner pour Adebayor. Non, Townsend qui va essayer de la remettre. Attention, Colker. Attention, ne pas se faire passer. Malheureusement, il s'est fait passer. William Gallas avec son 46 de vitesse là. Mais il est là. Il est présent. Il a réussi à prendre de l'avance. Oula, par contre, très mauvaise passe de Marcos Assuncao. Enfin, très mauvaise tête, pardon. Mais c'est bon. C'est récupéré. Oula, j'ai essayé un petit truc. Essayer de passer. Mais c'est pas, ça n'a pas marché. Il n'a pas mordu. Allez, Bentley. Mason. Genas. Lancaster. Je la mets par-dessus. Ça passe toujours pas. Colker, attention, on va reculer. On va pas se jeter. Il a fait la passe. Il arrive à passer, attention. Gallas. Il a pas mordu. Attention. Sortie de Friedel. Attention. Hein, parce qu'on sait que Friedel est sorti du point, c'est pas trop ça. Ah non, c'est Kudicini. Excusez-moi. Allez, c'est bien défendu, Dawson. Et Gallas, ouais, non. Qui a pas trop compris en fait. J'ai pas trop compris. Et là, ça repart. Avec Mason. Je relance plutôt long. Sur Lancaster. Je suis passé. Je suis passé avec Lancaster. Ah, je voulais la mettre sur Adebayor. Mais il a pas suivi. Enfin, il a pas compris en fait ce que je voulais faire. Attention. Très bon tacle de Gallas. Dawson. On va éviter de trop tacler parce que des fois l'arbitre siffle penalty. Alors que. Allez, Friedel, ça lave pas la rater. Ouf. Friedel, les m'a fait peur. très peur même. Allez, on dégage très loin. Jusqu'à l'autre gardien. Pour que tout le monde se replace. À la bzi. Ok, je connais pas ce gardien. Mais en tout cas, il m'a sorti deux gros arrêts. Sur ma reprise de volée d'Adebayor. Et ma frappe de. De. Je ne sais plus qui. Allez, Dawson. On la met par-dessus. Pour Adebayor, malheureusement, ça n'est pas passé. Kone. Bentley. Attention, c'est bon, Friedel, il est là. Friedel, il va... Oula, très mauvaise relance. Allez, Dawson, on relance tranquillement. Bentley. Assuncao. Adebayor. Je la mets par-dessus. Allez, Lancaster. Et non. Très bien défendu, Adebayor qui essaie de la récupérer en taclant. Il n'y arrive pas. Et Di Santo face à Genas qui tacle, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, pourquoi j'ai taclé, je ne sais pas. Et là par contre je me fais bouffer complètement. Parade. Encore une parade et c'est bon. C'était chaud. Allez, on relance court. Grande passe longue. Pour Adebayor. Marcos Assuncao, ça sert à rien de jouer avec la vitesse avec lui. Mason. Ah putain, j'arrive pas à passer. Je la mets en... Frappe instantanée. Et encore l'arrêt du gardien. Lancaster. Allez, le corner. Mason, la reprise de volée. Encore une reprise de volée. Tout seul face au gardien. Encore le gardien. Qui est là. Qui est présent. Pff, il est incroyable ce gardien. Je sais pas quoi. Ouais. Il est très bon. Très bon. Allez, Marcos Assuncao qui va essayer de défendre. Il est trop lent. Dawson. Voilà, je tacle debout. Très bien joué. Et Assuncao au physique, ça passe. Allez, j'arrive à la mettre par-dessus. Non. Mais j'arrive quand même à la donner à Mason. Allez. Genas. Frappe de Genas. Non. Et la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, bon. Très bon gardien du côté de Wigan. Très bon gardien, rien à dire pour l'instant. Mais on est motivé. Enfin moi perso je suis motivé là pour vraiment
Après, il y a Manchester City, faut qu'on se mette en confiance direct. Hein. Avec l'équipe B, c'est que l'équipe B, on arrive à gagner. Avec l'équipe A, normalement, ça devrait venir tranquille. Alors, par contre, là, il y a la musique qui se lance, je sais pas trop pourquoi. Lancaster, frappe de Lancaster, et but! Et but! Magnifique but de Lancaster. À ras du poteau, le gardien ne peut rien faire sur cette frappe. Et le 3-5-2 qui est solide pour l'instant, qui colle bien. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je garde ce dispositif avec l'équipe B du moins. Avec l'équipe A bien sûr, je garderai le 4-3 parce qu'il fonctionne très très bien, vous allez voir par la suite. Enfin je trouve que les matchs que j'ai fait là dernièrement marchaient très très bien. Ok. Townsend. Je vais essayer de pas prendre. Bon, la musique se lance, je sais pas trop pourquoi. On va faire comme ça. Bon, je crois qu'elle s'est décidée à se lancer. J'espère que ça vous dérange pas trop. Bon, là par contre, j'aurais pas dû tacler. Et là, Brad Friedel, complètement désaxé. Enfin. Ouais. Bon. Mais ça fait 2-1, 1 partout, pardon. J'arrive à la lancer. Bentley, il s'est fait prendre la balle. Allez. C'est parti, Mason. Adebayor. Ah, j'avais dit que je faisais un changement à la mi-temps, bon, tant pis. Bien joué à Adebayor. C'est bien vu sur Bentley. Adebayor, la tête! Ça ne passe pas, ce n'est pas cadré. Ah mais c'est pas lui qui la sort en fait. Allez Bentley, c'est bien frappé. Ce corner, ouf. J'ai vu Adebayor s'envoler. Allez. On se jette pas Galas. Et il s'est jeté. Et le but, Brad Friedel qui a rien fait. Brad Friedel commence sérieusement à me saouler. Et je vais faire un changement. Gestion d'équipe. Je vais faire sortir Marcos Asuncao pour faire rentrer Livermore. Et Sigurdsson va rentrer à la place de Mason. Double changement. Allez. Faut pas qu'on perde là. Faut absolument pas qu'on perde. C'est important. C'était très très bien. On avait réussi à marquer. Mais en même temps, c'est cette musique là aussi qui me saoule. Allez, Friedel. Voilà, c'est bien. Friedel, c'est très bien. Pas sur lui, mais bon, ça ira. Bentley. Allez, Adebayor. Je lance Lancaster. Je lance Lancaster. Lancaster, il est pas très rapide. Il est pas rapide du tout. Là, on a un joueur rapide comme Bauken. Ça passe. Ça passe. D'ailleurs, je vais même le faire rentrer. Je vais faire 3 changements d'un coup. 3 changements d'un coup. Lancaster va sortir. Bauken va rentrer. Voilà, je fais un changement. 3 changements. Marcos Asuncao, bon, c'est dommage. C'est un dommage qu'il soit si vieux parce que c'est un bon tireur de coup franc. Et il est quand même assez imposant physiquement. Donc, de la tête, ça passe bien. Mais il a du mal à se mettre dans le rythme de la Barclay, hein, qui est quand même plutôt physique par rapport au Brésil, le club d'où il vient. Allez, Bauken, vous allez voir, il est très très bon. J'arrive à la mettre par-dessus. Trop trop forte, pourtant, j'ai vraiment fait ce que je pouvais. En fait, je crois qu'on a la musique des menus à la place du jeu, ça va être un bug. Allez. C'est parti. Bauken. Et allez, Townsend. Et allez, Townsend. Et allez, il est là. Et but. Townsend qui marque. Townsend qui égalise. Sur un bon ballon de Adebayor, il me semble. Ouais, c'est Bauken qui lance Townsend et qui la met juste sous le gardien, ras du poteau. Égalisation. On a 20 minutes pour aller chercher la victoire. Allez, il faut qu'on en marque un.
On va défendre bien comme il faut. Boken qui a fait énormément de bien, vous voyez, il joue beaucoup son rôle de pivot. Il arrive quand même à décrocher aussi. Allez. Allez, c'est bien joué là. Galas qui relance sur Jenas. Jenas, Townsend. Je la mets par-dessus sur Sigurdsson. Sigurdsson. Je la mets par-dessus. C'est pour Boken. Ah non, il y a le défenseur qui est revenu. Elle est Livermore qui va défendre aussi. Jenas. Les milieux défensifs qui vont aider en défense. Allez, c'est bien joué. Sigurdsson qui va pouvoir relancer sur Adebayor. Adebayor. Je relance loin sur Townsend. Oula, ça va peut-être sortir en touche. Non, c'est sauvé. Joueur à terre long. Boken. Boken et but. But de Boken. Je vous l'avais dit, il est très très bon, il est revenu. Ça y est, il monte en puissance là. Regardez cette balle. Pff, magnifique, pleine lucarne. Regardez. Je me retourne sans élan. J'arrive à me retourner et à frapper en pivot. Pleine lucarne à la levée, le gars ne peut rien faire. Et donc on mène 3 buts à 2. On arrive à revenir. Boken, vous voyez, il fait beaucoup de bien à cette équipe de Tottenham maintenant. Qu'il a réussi à s'intégrer. Et c'est bien joué de la part de Jenas. Sigurdsson. Là on a une bonne équipe. Là on a une équipe qui monte en puissance. Hein. Allez Townsend, c'est parti. On enfonce le clou. Non, ça marchera pas. Aïe. Là, c'est contré. C'est contré. Là par contre je sais pas ce qu'il fout là Colker. Je sais pas ce qu'il faut. Oui, c'est un milieu défensif, oui. Un milieu sans défenseur central, pardon. Et le tacle de Livermore. Et le tacle de Galas. Très bien joué. Et ça repart Boken. Je la mets dans la profondeur. Pour Townsend. Townsend. Qui met loin devant. Pour Sigurdsson. Sigurdsson qui est rapide. Sigurdsson qui n'arrive pas. Mais c'est repris par Bentley. Bentley qui met un petit centre. Ouh. Ouh là 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 là. C'est chaud là. Il reste 5 minutes. On a l'occasion. On a eu plusieurs fois l'occasion d'enfoncer le clou. Ça manque un peu dans la dernière passe. Et là faut pas qu'on le prenne celui-là. Et là faut pas qu'on le prenne celui-là. Et là faut pas qu'on le prenne. Et c'est très bien défendu. Oula, par contre j'aurais peut-être pas dû faire une passe. Attention. Ouh, ça passe à côté. Ça passe à côté. On a de la chance là, oui je dois le dire. Et Brad Fennel qui va se dégager. Brad Fennel qui a fait 2-3 arrêts importants dans le match quand même. Malgré le fait que qu'il soit plutôt vieux et qu'il fasse beaucoup d'erreurs, il a quand même fait 2-3 arrêts déterminants. Même si bon, certains buts, il aurait pu les éviter quand même. Je parle notamment du deuxième. Mais vous inquiétez pas, pour la saison d'après, du coup, on va perdre 2 gardiens, Fredel qui prend sa retraite. Et Kudicini aussi. Allez, Adebayor. Adebayor, qui l'a vu en bas. Townsend, je suis en bout d'analogique. Sur Boken, j'aurais peut-être pas dû la mettre comme ça. Et c'est fini. C'est fini, victoire de Tottenham en vidéo, ça fait plaisir, ça fait, bah en fait on n'a jamais eu de vidéo avec une victoire, donc ça y est, peut-être la machine est lancée, on va voir ce que ça donne tout de suite avec Manchester City, on va voir si on arrive à confirmer la forme de ce match, donc 3 buts à 2 victoire, c'était quand même chaud. Et regardez un Boken qui est rentré en cours de jeu, qui a joué que 30 minutes et qui a 8,2 de notre général, Adebayor qui a fait un très bon match aussi. Une défense solide, je dois dire. Brad Friedel, très très bon. Très très bon, peut-être pas, mais il a été bon. Et donc, on remonte à la 14e place. C'est plutôt une bonne chose. Là, si on gagne, on peut remonter à la 11e place. Au Golavirage, bon, je pense pas. Mais à la 11e place, ça va être très très bon, ça. Si on arrive à gagner contre... joueur appelé en sélection. Si on arrive à gagner contre Manchester City, on pourrait faire quelque chose de bien. Et se relancer comme il se doit. Disputer match. Donc est-ce qu'on va jouer avec l'équipe A ou l'équipe B? Donc on va jouer avec le maillot extérieur et eux domicile. Gestion d'équipe. Voyons voir. Ouais, ils sont en forme. Adebayor, ok, il est fatigué. Boken, qui va être titulaire. Quoique non. Je veux pas le mettre titulaire. On va mettre Lancaster titulaire. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer tout de suite. On va jouer donc avec cette équipe là. Et arrivé vers la 60e, 70e minute, ils vont avoir des joueurs fatigués. Très fatigués. Comme un peu le système de Jesús Navas avec l'équipe d'Espagne qui n'est jamais titulaire.
tout ça, et qu'il fait rentrer toujours en cours de match, mais à chaque fois avec sa vitesse il fait très très mal. Et donc là Bauken, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de fatiguer les Scott et compagnie, sachant qu'ils sont pas très très rapides non plus. C'est pas des flèches par rapport, bien sûr, par rapport à Bauken. Sinon je crois que Lennon est pas Lennon, l'autre défenseur, compagnie rapide, il me semble. Ouh, la barre rentrante. Ouais, mais je crois qu'il faut la mettre par-dessus en fait. Voilà. C'est touché. Voilà. Donc je sais pas si on aura encore le match hein, pour la musique pendant le match. On va voir tout de suite. Ça n'a pas l'air. Très très bien. Ok, donc c'est parti. Gareth Bale qui s'est tout de suite joué sur Dembélé. On va tout de suite sur l'helm, les Guerrero qui est déjà monté. Et allez, Gareth Bale qui arrive à prendre la balle. Gareth Bale qui passe. Gareth Bale qui frappe. Gareth Bale, ouh, parade de Joe Hart. Joe Hart qui va être aussi un très très bon gardien qu'il va falloir passer. Et donc Sandro qui joue le corner. Attention, ça revient sur Bale. Vertonghen. Je vais tenter la frappe, non. Par contre, Vertonghen, tu vas redescendre tout de suite. Kaboul aussi. Parce que là, ça sent la contre-attaque. Hein. Et là, Walker, attention. Walker. Très très bien joué de la part de Walker qui ralentit du moins. Même s'il s'est pas récupéré, ça ralentit. Et donc Lloris qui a joué. Donc je vais tout de suite me mettre en contre-attaque, en pressing et en défensif. Voilà. Ça avait plutôt bien fonctionné face à Chelsea par exemple. Même si vous n'avez pas vu le match, malheureusement. C'est plutôt bien marché et j'avais réussi à tenir jusqu'à la 90 plus 2 je crois. Allez, Malguerrero, il se jette pas, ça s'est très bien joué. Et ouh, Carlos Tevez, très dangereux. On va dégager tout de suite. On prend pas de risque. Et Lancaster, qui arrive à la mettre sur Lennon. Aaron Lennon, là par contre face à Clichy, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je la mets par-dessus, ou c'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Et sinon, est-ce que je prends directement, je change complètement. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai quand même de bons latéraux avec l'équipe A. Donc si on passe en 3-5-2, c'est-à-dire qu'il faudrait que je supprime ces latéraux, notamment Malguerrero qui est très bon depuis le début de la saison, depuis que je l'ai acheté au Benfica. Mais surtout Kyle Walker que j'ai pas envie de lâcher, qui est très très bon. Ok, j'arrive à ralentir. C'est par-dessus. Ouh là 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 là, j'ai eu de... C'est même plus de la chance là, c'est... Je sais plus moi. Heureusement que j'ai pas de copine quoi. Allez, Lancaster. Pour Lennon. Et je la remets sur Lancaster. La tête est but. Et but. Quelle action. Quelle action. Oh magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Je m'aime. Là, sur ce but là, je m'aime. Quelle lecture du jeu. Je vois Hart qui sort, je la remets par-dessus, à la limite du hors-jeu. Et Lancaster qui a plus qu'à déposer la tête. Là, s'il la rate, je crois que je libère de son contrat, quoi, tout simplement. Donc bon. Allez. On ouvre le score, c'est plutôt bien. C'est eux maintenant qui font la course, on fait la course en tête. C'est eux maintenant qui doivent revenir au score, donc c'est eux qui vont se découvrir. Et donc là, il va falloir qu'on joue avec donc, cette contre-attaque que j'ai mis en place. Ok. Très mauvaise passe. Aaron Lennon. Qui va revenir défendre. Et Kyle Walker, attention, il est passé, Nasri. La tête et le risque. A bien lu la trajectoire du ballon. Et je joue long. Sur Lennon. Lennon qui est tout petit, il va pas faire grand chose. Sandro, attention, Tevez. Parade de Lloris, je vais dire de Nasri. Et encore la parade de Lloris. Pourquoi je veux dire Nasri à chaque fois, je ne sais pas. Mais bon, c'est bien des Français tous les deux, mais Lloris, je le préfère. Même si Nasri, je trouve qu'il est très très bon et que s'il se calmait un petit peu, il aurait un avenir radieux en équipe de France. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'arrive à la mettre à côté. Sandro, non, Sandro qui a pas réussi à passer devant. Allez, Aaron Lennon qui va revenir défendre. Et Kyle Walker, allez, faut pas se faire passer plutôt. Balotelli, bien défendu. Et Gareth Bale qui part devant.
Il rejoue en retrait. Il joue en retrait. Et Lancaster qui veut essayer d'aller à la tête. Mais bon, c'est peine perdue. Et allez, Maicon. Maicon. Tacle de Dembélé, ça n'a pas suffi. Et le tacle debout de Vertonghen. Très bien joué, Gareth Bale. Et ça joue sur Lancaster. J'arrive à la prendre. Non, pas assez rapide. Donc vous voyez les dégâts que je fais avec Lancaster. Imaginez avec avec Bowken, quoi. Ça va être tout simplement génial. Et donc je pense que quand je vais le faire rentrer, ça va faire du bien. Frappe. Oula, Lloris qui a plongé quand même. Allez. Sortie de Lloris. Des points. Je la relance sur Lancaster. J'arrive à la contrer. Mais ça repart. Sur Balotelli. Bien défendu encore. La frappe. De Touré. Et c'est contré. Donc ça fait corner. Corner. Très mal joué. On en profite. Allez, Gareth Bale. Qui a de l'espace. Il prend de la vitesse, Gareth Bale. Il prend de la vitesse. Il prend de la vitesse. Ça, c'est bien. Gareth Bale. Je la centre. Sur Lancaster. Le poteau. Le poteau. Et donc Sandro qui récupère. Frappe de Sandro. Et c'est cadré. Et c'est Hart qui se détend et qui arrive à sortir. Gareth Bale qui va tout de suite taper le corner. Attention. Ça arrive sur la tête. Non. Est-ce que Walker va réussir à la reprendre? Non. Mais par contre, il va falloir se replacer, Walker. Et là, c'est Parker qui vient défendre. Et là, c'est Walker à la lutte avec Clichy. Qui la met sur Tevez dans la profondeur. Tevez. Et c'est Kaboul qui va venir. Et oui, voilà, c'est très bien joué. Kaboul qui a taclé, qui a empêché la frappe de Tevez. Et là, ça revient avec Lancaster. Je la mets légèrement dans la profondeur pour Dembélé. J'ai pas grand chose à faire. Mis à part la mettre sur Lennon là-haut. C'est fait. Non, ça passe juste à devant. J'ai pas réussi à la prendre. Dommage. Et allez, faut qu'on arrive à mettre la pression. C'est fait. Il rate sa touche. Lancaster. Lancaster. Feinte. Bon, non. Raté la feinte. Oula. Tacle de Gareth Bale. Un petit peu limite. Et Carlos Tevez. Avec Touré. Touré. Et c'est Parker qui revient défendre. Et attention, ça passe. Avec Agüero. La frappe. Et c'est à côté. Il aurait peut-être dû contrôler. Mais Lloris était sorti très très vite. Et ça peut intimider aussi. Et Lancaster, allez. La lutte de la tête, c'est pas ça du tout. À mon avis, on n'en gagnera aucun duel comme ça de la tête. Tacle. Ils se taclent entre eux, mais j'ai fait faute avant, il me semble. Oui, carton normal pour Scott Parker. Allez. Allez, Tevez qui va frapper. J'ai mordu, il a fait la passe. Nasri, show pressing. Attention. La frappe, c'est à côté. Sergio Agüero qui frappe à côté. Et donc je dégage encore une fois avec Lloris pour le siffle à mi-temps. Et oui, c'est à la mi-temps. Je mène 1-0 et pour l'instant je tiens bien. J'ai des occasions, j'ai eu quelques petites occasions. 2-3 occasions, dont une que j'ai mise au fond. Voilà, 4 tirs, 2 cadrés. Ils ont la possession, il n'y a pas photo. Mais c'est le but justement du système en contre-attaque. C'est que ça fait plutôt mal, hein. Il n'y a pas photo. Ouais, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Pour le prochain mercato, je vais remasteriser complètement l'équipe pour faire en sorte d'avoir plusieurs styles de jeu, deux styles de jeu différents. Donc 1-3-5-2. Oula, par contre, j'ai raté ma roulette avec Lennon. Il l'a pas faite. Enfin, j'ai demandé de la faire, mais un petit peu trop tard. Ça s'est bien joué. Allez, Mel Guerrero de la tête. C'est bon. J'arrive à passer. Non. Petite talonnade pour Milner. Milner bien repris par Scott Parker. Sandro, Lennon. Et là c'est reparti. Oula, par contre je me suis chié. Je vais attendre que quelqu'un prenne l'intervalle. C'est fait, c'est Parker qui prend l'intervalle. Je la mets par dessus pour Lancaster. Encore par dessus. La frappe, oui non là par contre Sandro, oui c'est Sandro il me semble. Il n'y avait pas grand chose à espérer là dessus Ou Lennon, je sais plus. Et donc Aaron Lennon qui va tout de suite repartir. J'ai essayé de l'intercepter avec ce tacle. Ce n'est pas passé plutôt. Allez, Walker avec Nasri, Touré. La frappe de Touré, c'est au-dessus, largement. Voilà, il s'obstine à frapper de loin. Et même si c'était cadré, je pense que Lloris était largement dessus. Allez, Lancaster, de la tête, non, toujours pas. Et si avec Lancaster on n'arrive pas à prendre de la tête, imaginez pas avec Bowken qui est deux fois plus petit. Mais Bowken il est plus rapide.
Donc on va peut-être pas jouer plus dans la profondeur. Et là c'est Scott Parker, bien joué. Oula non, par contre. La frappe encore. Faut qu'on arrive à jouer Scott Parker, attention. Nastri. Scott Parker qui a déjà coupé dans le carton jaune. La frappe. Quelle parade de Hugo Lloris. Il s'est envolé pour sortir ce ballon. Pour l'instant il fait un très très bon match Lloris. Le tir contré encore. Nouveau corner. Allez attention. On panique pas. La tête au-dessus. Je dégage encore. Là, et là je pense que je vais déjà faire mon premier changement. Et Lancaster va rentrer à la Bauken va rentrer à la place de Lancaster. On va faire comme ça. Interception. Mais Company a suivi. Scott Parker, il se fait passer. Et c'est tranquille, Hugo Lloris qui est présent. Je dégage avec Hugo Lloris. Très très loin d'ailleurs. Et Everton Gun. Oula, par contre, je me suis trompé de joueur. J'ai pas voulu tacler avec lui. La frappe. Et c'est à côté. Et Hugo Lloris qui avait lu la trajectoire, mais je sais pas s'il était légèrement en retard. Et donc Lancaster qui va sortir et qui va laisser sa place à Stéphane Bauker qui est très en forme en ce moment. Auteur de 3 buts en 2 apparitions. Allez, donc là on va poser le jeu. On va poser le jeu et on va essayer de trouver la profondeur avec Bauken. Regardez, il est là. Je la mets par-dessus pour Gareth Bale. Pas trouvé par contre. Pas réussi à le trouver. Allez, Dembélé. Dembélé à la lutte avec Milner. On va laisser Dembélé aller dessus. On va le garder pour aller dessus parce que c'est un milieu. Et voilà, il a réussi à la prendre. Et donc Gareth Bale qui va jouer sur Bauken. Bauken, je la mets dans la profondeur. Par-dessus, non, j'ai pas réussi à la mettre par-dessus. J'aurais peut-être pas mauvais contrôle là sur cette action. Parker, Dembélé, Bale. Bale a une touche de balle sur Bauken. Bauken qui garde le ballon, qui résiste à la charge. Sandro qui met dans la profondeur pour Lennon. Lennon qui va feinter. Petite faute peut-être, non? Bon, je sais pas très sûr là. Et donc Parker qui revient défendre. Et là c'est Vertonghen qui monte, qui se fait passer. Attention. Agüero qui a l'espace. La frappe d'Agüero. C'est repris et hors-jeu. Hors-jeu de Nasri. Très très bien ça. C'est très bien pour l'instant. On gère. Il n'y a pas de souci. Oula, merde, par contre, j'aurais peut-être dû faire mon changement. On va faire sortir. Lennon pour faire entrer Cabellos. Cabellos, on va voir ce qu'il va donner. Et là, regardez. J'arrive à jouer avec Aaron Lennon juste avant de sortir. La roulette, c'est passé. Je la mets. Ah, je me suis raté. Je me suis chié. Pourtant, j'étais passé avec ma roulette. J'aurais peut-être pu prendre la vitesse, justement. Au lieu d'essayer de revenir. Oula, pas de son petit lag. On va mettre sur pause tout de suite. On va pas prendre de risque. On va attendre que mes FPS remontent. Ils ont du mal. Là, ça a l'air bon. Ouais, c'est bon. Pas prendre de risque, hein. Comme face à Ipswich. Et là, encore un petit lag. Et Balotelli qui enfonce le clou à cause d'un petit lag, du coup j'ai pas pu faire sortir mon gardien. Voilà, il y aurait pas eu le petit lag, j'aurais fait sortir Lloris, mais malheureusement ils égalisent à la 76e minute. Allez, c'est reparti. Et là c'est Ceballos qui rentre. Ceballos qui va tout de suite vers l'avant. Ceballos qui arrive à faire la différence. Ceballos qui centre. Non, il est peut-être pas assez rapide encore, Ceballos. Je sais pas trop sa vitesse. Là, par contre, je lag vraiment beaucoup. Je lag vraiment beaucoup et espérons que ça me porte pas préjudice. Là, c'est bon, c'est revenu. Et là, c'est bien joué. Bauken qui arrive à mettre. Ceballos. Oula. Faute. D'accord, je sais pas d'où il y a faute. Et je vais faire mon dernier changement. Je vais faire sortir Parker et pour faire rentrer Huddleston. Voilà, parce que Parker a pris un jaune, donc je vais pas pouvoir l'utiliser vraiment au max défensivement. Alors que Huddleston, je vais pouvoir y aller à fond. Oula, par contre, je me suis fait passer. Attention, un match nul serait un bon résultat quand même face à
sera un bon résultat face à Manchester City quand même. Mais je pense que je mérite la victoire sur l'ensemble du match, parce que j'ai quand même pas... Enfin, remarque, en deuxième période, j'ai pas eu d'occasion. Attention, la frappe d'Aguero, parade du Golioris encore. Golioris, heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire. Parce que là, waouh. Voilà. Allez, c'est parti. La tête. Et là, faut relancer. Là, je relance rapidement. Et là, à cause du lag, encore un petit lag. C'est... Ouais, c'est plutôt chiant, là, ces lags. Voilà, il y a vraiment des gros lags. Heureusement qu'il l'a mis à côté, mais voyez par vous-même. Vraiment des gros lags. Et c'est vraiment chiant, je dois dire. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que... Ouais, parce que j'essaie... normalement, le son va être beaucoup mieux là sur cette vidéo. Oula, là par contre, ça lag vraiment beaucoup. Ça y est, ça serait revenu. Non, toujours pas. Là, je tourne à 10 FPS max. Là, c'est revenu apparemment. Ouais, c'est revenu. Allez. Là, j'ai 15 images secondes, là, juste sur cette parcelle-là. Allez. Kebalios, faut prendre le devant, faut passer devant. J'y arrive pas. Par contre, faut vraiment que ça se remette dans l'ordre. Parce que sinon, si je prends un but comme ça, je vais vraiment rager là, sur le coup. Voilà, et là je sens le but. Venir à plein nez, ça va faire but, c'est obligé. J'ai vu, il a armé. Et ce lag de merde qui commence sérieusement à me casser les couilles. Désolé du mot, mais là ça me saoule. Et là, but. Non, poteau. J'ai de la chance. Apparemment, j'ai de la chance là sur ce match. Je frappe le poteau. Et là, allez. Je donne tout ce que j'ai. Faut que j'arrive à récupérer la balle. Encore un arrêt du Golioris. Et là, ça part. Allez, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Kebalios face à Hart peut-être. Et non, bon retour du défenseur. Dommage. Bon, ça va finir sur ce score de 1 partout, je pense. À moins qu'il marque sur cette action. Et par contre, j'ai vraiment de la chance parce que là, le lag... Et c'est fini. 1 partout. Mais écoutez, deux bons matchs. Deux très bons matchs même dans cet épisode. Très très bien. Bon, Gareth Bale qu'on n'a pas trop vu à part au début. Bon, Hugo Lloris, voilà, homme du match. Rien à dire, il n'y a pas photo là-dessus. 9,8, très très bon. Boken, pas trop vu sur ce match. Mais bon, on va dire qu'il a pas eu trop eu l'occasion de se mettre en valeur. C'est quand même Manchester City, quoi. La défense prend bien. Bon. Très très bon épisode. Les musiques que vous entendez par contre, vous les puristes, ceux qui savent, connaissent les musiques de FIFA, vous pourrez me dire, mais c'est pas les musiques de FIFA ça. Oui, ce n'est pas les musiques de FIFA. Ce ne sont pas les musiques de FIFA. Voilà, regardez, Boken 13ème au classement des buteurs. Effectivement, ce n'est pas... ce ne sont pas les musiques officielles, tout simplement parce que pour l'épisode 2, j'ai eu des problèmes de droits d'auteur. Donc la vidéo n'a pas été supprimée, mais bon, c'est comment dire, c'est pour éviter justement. Donc c'est des musiques qui n'ont pas de copyright, donc dont il n'a pas besoin d'avoir de droit d'auteur. C'est des musiques amateurs, on va dire, mais qui sont quand même très très bien, que j'aime beaucoup et qui collent plutôt bien. Voilà, donc hors vidéo, je ferai le match face à West Ham, ça c'est West Ham, ouais, West Ham et Liverpool, ça va pas être du gâteau non plus, Liverpool. Et donc pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le match face à Fulham et Everton, deux bons matchs qu'il va falloir suivre. Et donc ça avance, on avance plutôt bien dans cette saison, deux matchs par vidéo, putain j'ai du mal, hein. Deux matchs par vidéo ça colle bien, donc on est 14ème à 12 points. Voilà, on remonte, on ressort, on s'éloigne de plus en plus de la zone rouge. Et Chamac, que j'avais failli acheter et qui a déjà 4 buts. Podolski a 3 passes décisives. Donc on va voir. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de l'actualité de la chaîne. Pour ça, vous avez aussi ma page Facebook, ma page Twitter.
qui seront dans la description juste en bas. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire quoi que ce soit, si vous voulez que je change de dispositif pour l'équipe B, tout ça, si vous voulez des vidéos en particulier, si vous voulez que je filme d'autres choses, enfin que je fasse un jeu en particulier. Je cherche à faire un jeu, un let's play. Je pense en faire un sur un jeu, mais je sais pas trop finalement. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver un jeu sur lequel je pourrais faire un let's play, un jeu vraiment que je peux finir quoi. Parce que bon, FIFA c'est un jeu que je peux pas vraiment finir. Je pensais faire aussi une carrière pro, avec je sais pas quel poste. Je pensais à gardien, mais le problème c'est que j'ai... Ouais, faut voir, je pensais à gardien, dites-moi. Gardien ou peut-être milieu central, ou milieu offensif, ou carrément attaquant. Des choses que... Mais attaquant j'aime pas trop parce que c'est tout le monde fait ça. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être attaquant au final. Et je pense que j'ai fait le tour. Et un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si bien sûr la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, bah mettez un pouce rouge. Hein, c'est la dure loi de YouTube, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que donc ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. D'ailleurs, en parlant de ça, la prochaine vidéo, je pense que ça sera du Handball Manager. Handball Challenge. Voilà, le match 2 face à l'Egypte. Allez. Je vous embête pas plus. Ciao.